Rencontre mondiale du logiciel libre. Beauvais 2015. Alors, on va parler d'accessibilité dans la conception de visuel. En fait, je ne sais pas trop comment faire cette présentation. Soit je vous la fais classique et il y a quelques bonnes pratiques que je peux partager. Soit vous connaissez déjà un peu le sujet, vous êtes vous-même, vous avez des problématiques propres et on peut aussi travailler sur vos problématiques si vous avez des questions. Et vous pouvez changer d'avis en cours de présentation. Peut-être qu'au fur et à mesure que je présente, vous allez avoir des idées. Donc j'ai prévu quelques petits exercices. Bon, de toute façon, c'est une présentation de 20 minutes, donc ça va passer vite. Donc... L'accessibilité, il suffit d'y penser, c'est souvent le cas. Et donc là, comme on est dans un atelier sur, enfin une petite présentation sur la conception de visuels, c'est souvent à la base de tout projet. On commence par s'imaginer à quoi va ressembler notre plaquette, notre site web ou voilà. Mais souvent, en fait, on peut, enfin, encore faut-il y penser à l'accessibilité, mais encore faut-il savoir ce que c'est. Donc, quand on fait quelque chose là, on va parler pas mal web. Donc, ou interface, ou même logiciel, c'est applicable. Je ne parle pas de ce qui est papier, où c'est un peu différent. Il y a des préconisations qui sont les mêmes, mais là, on va surtout parler tout ce qui est à travers un écran. Donc, accessibilité, quand on parle d'accessibilité, on parle de personnes handicapées. Donc, c'est des personnes qui ont des limitations d'activité ou de participation à la vie en société en raison d'une altération substantielle ou définitive d'une ou plusieurs fonctions invalidantes. Blablabla, ça c'est la définition légale. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des gens, ou plus exactement, le mythe de l'utilisateur parfait qui a ses cinq sens, ou même plus, qui voit parfaitement ce qu'on voit. Là, on est dans le visuel. En fait, c'est vraiment un mythe. Et la perception des couleurs, il y avait même des études qui ont montré, par exemple, que selon les cultures, on ne va pas avoir le même vocabulaire pour les mêmes choses, parce qu'on ne va pas avoir les mêmes couleurs. Il y avait un petit documentaire qui avait été diffusé sur la BBC qui montrait que dans certaines... c'était une tribu en Afrique, mais je ne sais plus laquelle et où. Qui avait pas les mêmes, qui avait plein de mots pour parler du bleu et un seul pour parler du vert et qui du coup ne percevait pas des choses, des accidents, qui ne percevait pas des choses qui nous pour nous étaient évidentes. On voit le bleu, le vert, on voyait vraiment les différences et qui à côté de ça, nous sur l'exemple qui est montré à la caméra, on voyait des perceptions de couleurs, enfin on n'en voyait pas et eux voyaient très distinctement les différences de couleurs. Donc on voit que le langage et la conception en fait culturelle jouent sur ce qu'on voit et donc deux personnes ne vont pas forcément voir la même chose. Donc ça c'est un fait et en plus de ça il peut y avoir des perceptions visuelles très différentes selon nos capacités innées. Donc il peut y avoir des formes de daltonisme, il peut y avoir aussi des dégénérations avec l'âge de certaines maladies qui vont faire qu'on voit avec des points ou qu'on voit juste en vision tunnel, donc c'est seulement une petite partie d'un écran. Et donc l'objectif quand vous concevez un visuel, c'est de le concevoir pour qu'il soit compatible avec l'accessibilité. Donc ça c'est une définition qui est donnée par un organisme international qui fait les normes du web, en fait, les standards du web, c'est le W3C, et qui parle compatible avec l'accessibilité. C'est une technologie qu'on peut utiliser. Utiliser une technologie compatible avec l'accessibilité signifie que celle-ci fonctionne avec les technologies d'assistance et les fonctionnalités d'accessibilité des systèmes d'exploitation, des navigateurs ainsi que d'autres agents utilisateurs. En gros, ce n'est pas faire des choses très spécifiques. Mais c'est faire en sorte que ça puisse fonctionner avec. Le gros avantage avec un écran, c'est qu'en fait, ce qu'on voit là, on peut avoir une vue totalement différente sur un autre ordinateur pour peu que ça fonctionne avec. Donc c'est pas comme du papier, c'est pour ça que c'est vraiment très différent, c'est une matière vraiment souple. Alors, je disais, encore faut-il y penser, donc à quoi penseriez-vous ? Petit exercice. Donc vous devez concevoir une petite page web pour faire une campagne. À quoi vous devez-vous penser ? Donc vous ne pensez pas code, là on pense juste, voilà, visuellement vous devez penser à quoi pour que ce soit accessible d'après vous ? Couleurs, qu'est-ce qu'il faut penser sur les couleurs ? Les contrastes des couleurs, donc il faut qu'il soit suffisant entre le premier plan et l'arrière-plan, tout à fait. Alors détails. Donc oui, la lisibilité en fait des textes, oui.
Alors ça, tu triches, mais oui, mais alors là, dans les formulaires, c'est visuellement, ça, y a pas forcément de, ça se voit pas forcément. Là, on parle vraiment visuellement. Techniquement, il y a plein d'autres choses, mais là, on fait vraiment visuellement. Donc, il y a plein d'autres choses, effectivement, sur les formulaires, c'est plus au niveau du code que du visuel. Les menus, qu'est-ce qu'il faut faire au menu? On a des codeurs là, ça triche. Non, non, on parle visuellement, visuellement. Vous êtes sur une maquette papier qui va devenir un site web, par exemple. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Donc, donc on reste au contraste, en fait. De la quoi? Ah, luminosité. Teinte. Donc il y aurait des... Donc il y aurait des couleurs interdites. Des combinaisons de couleurs interdites. Non, mais d'accord. Alors, pourquoi j'ai dit non, je réponds quand même. Parce qu'en fait, il n'y a pas le rouge et le vert, c'est ce qui est le plus connu. En réalité, il n'y a pas une forme de daltonisme. Il y en a plein. Et si on commence à interdire des combinaisons de couleurs, en fait, c'est impossible. Enfin, il n'y a pas de cas générique vraiment. Donc, il n'y a pas de couleurs ou de combinaisons de couleurs qui soient interdites. Parce que là, il faut que ce soit compatible avec l'accessibilité. C'est-à-dire que les personnes doivent pouvoir. Donc là, c'est dans le code, en fait, que ça va jouer. Il faut que les personnes puissent mettre leur propre feuille de style. Pour changer ces couleurs-là. Et donc, on a des exemples d'utilisateurs qui sont sur notre stand et qui vont vraiment changer la vision qu'ils ont sur leur ordinateur et qui vont changer les feuilles de style. Donc, du coup, il n'y a pas, au niveau de la conception, vous n'avez pas d'interdiction, en fait. Il faut les contrastes, ça oui. Donc, contraste, c'est plus de luminosité d'ailleurs que de couleur. Mais il n'y a pas sur les teintes des teintes interdites. Alors ça oui, ça c'est un point effectivement. Donc par exemple. Par exemple. Ah oui, vous n'avez pas un micro qui peut se balader? Ouais. Donc exemple d'information qui ne doit pas être portée par la couleur seule, une carte sur laquelle on a des zones qui sont colorées, il faut en plus qu'elles aient des hachures différentes pour les différencier. Oui, tout à fait. Donc, quand on conçoit des cartes, des camemberts, si vous mettez que des couleurs et qu'à côté il y a la légende, les personnes qui perçoivent pas les couleurs vont pas savoir à quoi ça se rapporte. Donc, effectivement, une astuce, ça peut être soit de mettre des hachures, des points, voilà, soit d'écrire la légende directement sur le schéma. Et on va voir d'autres astuces possibles. Alors, donc il y a beaucoup de couleurs là. Ça vous inspire les couleurs? Il y a d'autres choses? Oui. Oui, il faut. La création d'un menu d'accessibilité en haut de la page pour accéder directement aux différentes zones, pardon. Ouais, alors là, on a un connaisseur. Donc, c'est ce qu'on appelle les liens d'accès rapide. Et effectivement, c'est bien d'en parler dans la conception visuelle, parce que beaucoup de personnes ont tendance à les cacher. Et en fait, c'est très utile. Donc, c'est des petits liens qui disent aller directement à la recherche, au contenu, au menu. Vous voyez ça dans des thèmes de blog par défaut, souvent sur Dotclear, par exemple, ou peut-être sur Spip, je ne sais plus. Mais vous avez des petits menus qui permettent, c'est des encres dans la page. Donc, le fait de les penser au niveau de la conception visuelle, c'est une très bonne chose, parce que ces petits liens, ils servent pas qu'aux personnes aveugles, comme on le pense, mais aussi aux personnes qui vont beaucoup agrandir leur écran et qui, du coup, n'ont qu'une petite vision, enfin, une vision parcellaire de la page. Et grâce à ces petits liens, ils peuvent se déplacer rapidement, directement dans la page. Donc c'est bien de les laisser visibles. Derrière, pour tourner un peu. Éviter de faire porter beaucoup d'informations par une image ou quelque chose qui va être difficilement accessible aux aveugles ou malvoyants, ou alors prévoir les textes de remplacement adaptés. Alors, les images. J'hésitais à en parler parce que je ne suis pas sûre que c'est au niveau de la conception visuelle. Surtout, ne vous interdisez pas ni couleurs ni images.
Il ne faut pas que l'accessibilité soit une contrainte, il faut que ce soit pour tout le monde, donc il y a des manières de faire, mais ça peut être beaucoup plus parlant pour certaines personnes une image. Donc ça peut être de l'accessibilité aussi pour certaines personnes qui ont du mal à lire les textes, donc il ne faut pas se priver, il y a tout à fait des choses à faire, c'est souvent une grande question l'image, mais il y a des alternatives qui peuvent être soit dans le texte, soit invisibles, mais là pour moi je rentre ça plutôt du côté des rédacteurs de contenu. Donc plus que dans la conception visuelle, c'est-à-dire que si vous êtes au stade graphique, je conçois visuellement, vous interdisez pas d'image et ne pensez pas forcément à ce moment-là aux alternatives, j'ai envie de dire. Enfin, très bien, si vous faites aussi l'intégration, pensez-y. Mais du coup, il faut pas se priver ou se limiter. J'aimerais vraiment pas que tout le monde sorte de là en se disant l'accessibilité, ok, donc je fais du noir et blanc et pas d'image et comme ça c'est bon. Non, enfin, non, non, il faut qu'il y ait plein de couleurs et vous allez voir qu'on peut faire des choses en plus très jolies. Je vais montrer des exemples si Internet marche. Pas du tout contrasté, on peut quand même faire des versions contrastées à coût pas zéro mais presque. Donc voilà, donc il faut pas se. Donc on a vu donc les images, les couleurs, les liens d'accessibilité. Accès rapide, oui. Alors, comme il faut que ce soit accessible au clavier, il faut que le focus soit correctement manifesté, qu'on sache à quel endroit on est dans la navigation, dans la page, au lieu que ça soit « Oh, c'est pas joli, je le supprime en CSS ». Alors, il y a plein de mots peut-être compliqués, donc CSS, tout ça, focus. Donc, le focus, c'est quand vous naviguez au clavier, vous avez des petits points autour des liens, par défaut, si vous faites rien, dans la plupart des sites, qui vont entourer les liens ou les zones où vous êtes pour savoir où vous vous situez. Par défaut, ça y est. Parfois, certains les suppriment parce qu'ils ne trouvent pas ça joli. Du coup, c'est impossible de naviguer au clavier, on ne sait absolument plus où on est. Donc, effectivement, il faut le laisser. Et idéalement, alors là, encore mieux, je ne l'avais pas mis, effectivement, en conception, ce n'est pas une obligation, mais c'est quelque chose, c'est une bonne pratique, on va dire. On peut renforcer pour que ce soit encore plus visible. Donc ça, en code, ça ne coûte rien. Si effectivement, en plus, si vous êtes en amont de la chaîne et que vous donnez la consigne, vous le prévoyez sur votre maquette, un truc où on voit bien, on le rend bien visible, c'est encore mieux. Ah. Oui ? Ah, faut reprendre le petit micro pour la captation. Alors, il faut bien prévoir quand on crée sa conception visuelle de ne pas enclaver du contenu dans des animations, par exemple, dans des choses qui vont être animées, mais dans des formats qui ne sont pas accessibles. Exemple, le flash, par exemple. Jamais mettre de contenu. Ne pas faire de flash, on aurait mal à l'aile, quoi. Ça, non, je plaisante. Non, mais il faut parce que les gens aiment beaucoup les trucs qui gigotent de nos jours. Avec des animations, des machins, tout. De toute façon, la vidéo en ce moment est un petit peu le truc qui est hyper en vogue. Il faut des vidéos partout, il faut des vidéos. Oui, mais alors après, il faut que ce soit accessible. Donc, il faut des retranscriptions, il faut des machins. Les gens ne prévoient pas du tout ça. Et du coup, oui, il faut faire en sorte qu'aucun contenu ne soit perdu dans un format enclavé graphique. Alors, oui, alors là, au niveau conception visuelle, je m'attendais, donc là on est toujours sur le banc des codeurs, donc c'est pour ça. Ça c'est plus de la technique. Non, mais vous êtes... Je veux une anime, et en fait... Oui, mais ça, après, c'est au niveau du code de savoir... Enfin, d'y penser dans ce cas, c'est pour ça que je ne rentre pas dans ces détails-là. C'est-à-dire que si vous vous dites, je veux une animation là, après, c'est à ceux qui reprennent la main au niveau code de le faire correctement. Par contre, là où vous avez... Il y a quelque chose à faire sur les animations, il ne faut pas qu'elles se lancent toutes seules, et il faut pouvoir les arrêter et les relancer. Et ça, il faut le prévoir, si vous faites de la conception visuelle, prévoir les petits boutons, pour avancer, arrêter, relancer, puisque là, pour le coup, c'est des personnes qui ont des troubles de la concentration qui vont avoir du mal, sinon, à lire le reste de la page. C'est pas avoir du mal, c'est un peu difficile de me concentrer. Il y en a pour qui c'est un handicap, c'est-à-dire c'est une incapacité de lire le reste, vraiment. Donc effectivement, c'est quelque chose d'assez simple, basique, lecture, pause. Ça permet de le rendre accessible au niveau conception visuelle. Après, il faut que ce soit aussi au clavier, etc. Donc il y a toutes les considérations techniques dans lesquelles je ne rentre pas. Donc on a à peu près presque tout dit. Donc les contrastes entre couleur de fond et couleur de texte. L'information ne doit pas être donnée que par la couleur. Donc il ne faut pas empêcher l'information par la couleur. Ça peut être une bonne chose, mais il faut toujours qu'il y ait au moins un autre moyen pour récupérer l'information. Laissez la maîtrise aux utilisateurs, aux utilisatrices, à mort les pop-up. Les machins qui se déclenchent sans qu'on ait rien demandé, ça peut être extrêmement perturbant pour certaines personnes. Et en fait, ça l'est pour tout le monde, hein, pour être clair. Mais du coup, il faut que ce soit sur le déclenchement de l'utilisateur et qu'il puisse le refermer au clavier à la souris. Mais ça, on est dans la conception visuelle, donc vous êtes moins concernés.
Ne pas changer de place les éléments de navigation, menu recherche. Ça, c'est quelque chose qui a l'air bête et c'est un critère d'accessibilité que j'ai toujours trouvé un peu me disant ça sert à rien. Mais j'ai vu des sites encore récents qui, un coup sur une rubrique, le menu est là, un autre coup il est à droite, un coup il est à gauche. Et du coup, c'est très perturbant pour tout le monde, mais pour d'autres personnes, c'est juste impossible de savoir naviguer. Soit s'ils ne voient pas la page et du coup ça change tout le temps d'endroit, soit au contraire ils voient la page mais ils sont habitués à un site. Pour certaines personnes, il faut un peu de temps pour s'habituer à un site pour revenir. Donc si ça change tout le temps, ils ne vont jamais s'y retrouver. Le mouvement, donc c'est ce qu'on disait, arrêter, relancer. Et pour naviguer rapidement dans la page, donc les fameux liens d'accès rapide qui permettent d'aller dans les grandes zones. Et dernier cas qui n'a pas été évoqué, c'est éviter de provoquer des crises d'épilepsie, s'il vous plaît. Ça fait sourire, on pense que ça n'arrive pas. Donc les flashs, j'ai pas dit le format flash, les flashs, donc ça peut être fait de plein de façons, il y a plein de nouvelles façons formidables pour les faire, Canva, tout ça. Éviter un exemple, c'est le site des JO de Londres, 2012, donc c'est quand même pas super vieux, qui avait une super animation qui a provoqué une série de crises d'épilepsie et ils ont été obligés de l'enlever. Donc des animations, je sais pas si vous venez de ce site, il était jaune, rose, fuchsia, enfin il y avait plein de couleurs et ça, il y a une animation qui donnait mal à la tête à tout le monde de toute façon, mais qui a provoqué des crises d'épilepsie, ce qui peut être vraiment grave pour certaines personnes. Je vois une main qui se lève au bout. Ça, c'est plus pour les personnes qui n'ont pas un PC très puissant, mais ne pas essayer de surcharger les sites avec, par exemple, des images en fond en très haute qualité, des images qui défilent comme ça, parce que ça peut être très gênant au moment de charger la page ou au moment de faire défiler comme ça. C'est au niveau de la fluidité, c'est assez gênant. Mais c'est pas vraiment. Ah, c'est pas de l'accessibilité dans le sens où c'est pas. L'accessibilité, bah c'est les personnes handicapées puissent utiliser votre logiciel, site web ou voilà. Donc du coup là, effectivement, si tout le monde est pénalisé, il y a pas de discrimination, il y a pas d'inégalité puisque tout le monde est pénalisé. Donc si tout le monde n'y accède pas, du coup, c'est pas un problème d'accessibilité. Oui, voilà. Non, après cela dit, c'est vrai que c'est pas une bonne pratique, mais j'ai envie de dire, là encore, c'est pas un problème, ça devrait pas être votre problème si vous concevez des visuels, ça devrait être un problème au niveau de l'implémentation. Moi je suis assez contre l'idée de se dire, pour faire accessible ou je sais pas quoi, je m'interdis des choses. Il faut que ce soit intelligent, si c'est quelque chose qui effectivement apporte une plus-value pour l'utilisateur, si cette image, c'est après, il faut travailler sur le poids, sur le format, c'est autre chose. Ou s'il y a des façons de gérer le téléchargement partiel, sans que ça gêne l'affichage du reste. Mais là, j'avais prévu un exercice, mais en fait, vous avez été très réactif, donc on a déjà explosé le temps. Sur l'exercice, vous pourrez aller voir sur le site. On peut aller voir vite fait. J'ai 5 minutes, je pense. J'avais pris plein de liens. Dommage. Donc le site de Météo France. Voilà. Où clairement, c'est la vigilance météorologique. C'est évidemment avec des couleurs, donc il y a un petit thermomètre quand même où on comprend que c'est la canicule, je pense, dans certains départements. Si on passe la souris, on a des infos qui sont aussi en alternative, donc c'est plutôt bien fait. Sauf que concrètement, si on veut la liste, là, qu'est-ce qui nous intéresserait en conception? Vous voulez la liste, vous pouvez accéder à votre département et dans mon département, est-ce que c'est en vigilance ou pas? C'est ça qui nous intéresse. Donc du coup, sur une carte comme ça, c'est pas possible. Vous pouvez pas mettre, des hachures ou je sais pas quoi. Il y a beaucoup de cas différents. Vous pouvez pas mettre dans chaque département, est-ce que c'est vert ou quoi. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une version accessible et ça peut être au niveau conception. Ah, si ça marche, oui. Et donc là, on a exactement l'info. Avec, département par département, on peut aller à son département directement et c'est quand même plutôt bien fait. Où ils nous disent, du coup, à quoi ça correspond. Il faut que ça charge, mais ce n'est pas de la faute du site, là, c'est de la faute de la connexion. En tout cas, voilà, ça c'est une possibilité. C'est-à-dire que si vous avez un visuel vraiment qui est complexe à rendre accessible nativement, vous pouvez aussi faire une alternative qui permet d'avoir la même fonctionnalité. Donc là, voilà, en Ardèche, on a toute une description, si vous choisissez. Voilà. Sur les contrastes, donc vous avez aussi un site qui montre des exemples. Voilà,
Vous avez des exemples, des contre-exemples de comment on peut rendre accessible. Donc, vous avez par exemple, soit vous le mettez sous forme de liste, quand il s'agit d'un organigramme. Là, ils avaient fait un tableau, donc c'était un histogramme où il y a aussi un petit tableau en exemple. Et là, sur c'est une carte encore avec les exemples qui sont directement, est-ce qu'on voit si on fait ça, où la légende est directement sur le schéma. Donc même si on ne voit pas les couleurs, il n'y a pas besoin à côté, on voit directement. Donc tout ça, c'est au niveau de la conception que ça se joue. Au niveau des contrastes, il y a un site qui s'appelle Contrast Rebellion qui donne plusieurs exemples, j'en ai ouvert un. Effectivement, ça, enfin voilà, du gris sur fond, du gris clair sur fond gris foncé. Globalement, ça gêne tout le monde et c'est pas très compliqué de faire différent. Et donc là, je voulais vous montrer un exemple sur un site où la charte, nativement, c'est quelqu'un qui nous a demandé de le rendre plus accessible, le site. Sauf que leur charte graphique, c'est très pyramidal, c'est pour France Télé. Donc avant qu'ils obtiennent une validation, il faut 3 mois. Et la charte avait été validée. Donc ça, c'est un truc qui est souvent le cas. Vous arrivez, mince, j'ai pas pensé à l'avance. Je viens de découvrir, j'ai déjà fait sortir mon truc et je viens de découvrir. On a mis 3 mois à se mettre d'accord sur des couleurs. On va pas changer. Donc là, clairement, c'est pas assez contrasté. Donc vous pouvez rajouter des petits boutons comme ça, donc qu'on mettra sur GitHub dès qu'on a fini de commenter. Le script est terminé. Ce qui vous permet d'avoir des alternatives aussi directement sur la page. Et donc, voilà, la différence est flagrante. Je ne sais plus, il y a un truc qui est orange. Bon, là, ça allait. C'est orange là. Donc, on voit là, par exemple, orange et blanc. Donc, le orange, globalement, c'est orange et blanc, c'est une combinaison de couleurs que vous n'arriverez jamais à rendre accessible. Ça vire soit au rouge, soit au marron, le orange, quand vous voulez, avec le blanc. Donc là, en alternative... quand on fait contraste renforcé, voilà, c'était orange et noir. Donc vous pouvez toujours trouver des combinaisons de couleurs qui passent. Et vous pouvez aussi vous dire si sur certaines couleurs, le contraste n'est pas suffisant, vous pouvez aussi faire des versions alternatives. Ça ne coûte vraiment rien à faire au niveau code. N'ayez pas peur de surcharger vos développeurs puisque c'est vraiment rien à faire. C'est une ligne de code, hein, c'est vraiment tout bête. Et du coup, ça évite de vous brider aussi. C'est des choses, on peut avoir du mal, on se demande comment on va faire. Là, on voit que les liens d'accès rapide, ils sont directement visibles, ils ne sont pas cachés. Donc, on peut faire des choses jolies sans les cacher. Et donc, maintenant, comment on sait, parce que j'ai dit qu'il faut que ce soit assez contrasté, comment on sait si c'est assez contrasté? Donc, je vais reprendre la couleur par défaut. Ouais, là, je manque juste les outils. Donc vous avez des petites extensions, donc c'est sur le diaporama, vous aurez les liens. Wicca Contrast Checker, pourquoi je ne vois pas? Donc il y a une extension qui s'appelle Wicca Contrast Checker. Voilà, donc ça, WCAG, c'est le nom des normes d'accessibilité au niveau international, WCAG. Et donc, ils ont défini, il y a un algorithme qui va calculer entre la couleur de premier plan et la couleur d'arrière-plan si c'est assez, et un contraste suffisant au niveau de la luminosité. Évidemment, ça ne marche plus. Hop. Donc c'est une extension, donc c'est un petit outil libre, une extension sur Firefox. Il y en a d'autres, j'ai mis celle-là, vous en trouverez d'autres du même genre. Et là, vous avez en fait si c'est suffisamment contrasté ou pas. Donc on va voir que le bleu, etc. Enfin, il y a plein de choses qui ne sont pas assez contrastées. Donc le gris, je ne sais plus où il est. Donc à chaque fois, ça s'entoure. Et quand donc il fait le calcul entre la couleur de premier plan et la couleur d'arrière-plan. Attention avec ce genre d'outils. Le problème, c'est que s'il y a du texte dans des images, il ne va pas le voir. Pour lui, il ne sait pas analyser la couleur. Il ne sait pas se faire à ce moment-là, à ce niveau-là. Donc là, vous avez un autre outil qui s'appelle Tanaguru Contrast Finder, où vous pouvez, si votre site n'est pas encore en ligne, vous avez juste un XCF, un GIMP, où vous travaillez directement sur votre logiciel, vous pouvez prendre les couleurs en hexadécimal, couleur du texte, couleur de fond, et faire des tests. Et là, il va vous dire si c'est assez contrasté ou pas. Et si ça ne l'est pas, il va vous proposer des couleurs, des combinaisons de couleurs qui sont assez contrastées. Donc pareil, c'est un outil libre que vous pouvez utiliser. Je vérifie que j'ai rien fini avant de laisser une dernière question. Ah bah voilà, c'est bon.
Donc, oui. Sur ces outils de test de contraste, il me semble ne pas en avoir trouvé un qui est capable de gérer un background image, donc une image en fond. Il ne regarde que la couleur de fond. C'est ça, c'est pour ça qu'il y a des problèmes de... c'est pour ça qu'il ne faut pas se contenter. Quand il y a des images, ça ne prend pas en compte tout à fait. C'est ce que je disais sur Weka Contrast Checker. Donc voilà, donc maintenant vous avez des éléments, en 20 minutes c'est court, mais pour penser à prendre vos outils, à rendre vos visuels accessibles, plus vous le prenez en compte en amont, et plus ce sera facile après pour vos développeurs aussi de l'intégrer. Parce que tout changement après peut avoir des effets qu'on ne soupçonne pas au début, donc prenez-le en compte en amont, et comme ça tout le monde sera content. Merci.